Hello, on continue la mission, la pyramide penchée de Snoufrou dans, bien sûr, Pharaon A New Era, bien sûr, dans le mode campagne, et où nous sommes plutôt pas mal. On a un peu de chômage, ça c'est pas bien, mais on est en train de finir le premier niveau de la pyramide, avec une gestion qui est plutôt propre. On a du chômage, comme on avait vu, 29%, c'est pas cool, mais on est à 3500 de population, ce qui est plutôt pas mal, et quand on regarde les objectifs qui nous sont demandés, 3500. Donc on aura tout fait. Il n'y a plus que la pyramide à faire. Voilà. Voilà comment on va commencer l'épisode. On est clean. Je suis bon seigneur. Je vous donne tout ça. C'est cadeau. Voilà tout. À part que là, tout était en bazar. Mais finalement, on était bloqué parce qu'on ne pouvait pas faire plus. Hein. Si on regarde bien hein, ce qu'on s'était dit lors de l'épisode précédent. Il leur faut une deuxième sorte de nourriture. Attendez. Hop. Je monte un peu le son. Et la deuxième sorte de nourriture, on ne l'a pas du tout. Parce que d'un point de vue commerce... Je peux rien acheter en nourriture et je peux bien sûr rien fabriquer avec ce que j'ai. Donc même l'encens que je peux avoir ne sert à rien. Vous partez. De nulle part, ouais. Oh, comment oses-tu? Comment oses-tu dire ça? Non, c'est qu'il y a une petite diminution là-dessus qui est pas cool du tout. On a une bonne économie, donc maintenant on est tout bien. Hop, j'accélère un tout petit peu le temps, bien sûr. Parce qu'on est, bon prince, on va mettre ça. Et ça ici, pour faire joli. Vu qu'on est bien, on va mettre même du plaza. Ici, comme ça, on va bien faire les côtés. Tout le monde va être complet. On est plutôt bien. De ce côté-là, on est bon. La gestion, elle est correcte. Elle est nickel. Tout est en train de travailler. Et là, on va finir le premier étage. Ça va être très très long pour les étages. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on importe la pierre. Et la pierre, on est influencé par ce qui nous vient. Toi, par exemple, ça me sert à rien. Tu achètes du céréal. Ouais, on pourrait imaginer t'en vendre. Toi, c'est déjà fait. De toute façon, je t'ai pris toutes les autres routes. Donc pour l'instant, on est clairement bloqué. À voir si on nous en propose plus. Ouais. Toi, tu nous as vendu 20 pierres. Ouais, c'est que Meidum qui nous vend 20 pierres. Voilà. Donc si la gestion est bonne et qu'on tient le coup, logiquement, pas de problème. Mais il faut que je réduise le chômage. Et pour réduire le chômage, quoi de mieux que de faire ben, quelque chose qui peut apporter en export. Je ne sais pas quoi en fait. Parce que les mecs qui viennent ici ou ils viennent là, ils viennent chercher les infos. Alors tac, on va enlever ça. Derrière, on va faire un entrepôt. Ici et là. Toi, on va te bloquer. Toi, tu vas tout refuser et me accepter la pierre, bien sûr. Hop là. Regardez, eux, ils sont déjà en place. Prêts à accueillir une bonne rangée de calcaire. Et il y en a... 1 et 2 qui font le travail. Peut-être un troisième qui va arriver. Non, pas plus que ça. Non, bah de toute façon, après, ils vont monter individuellement. Bon, là, on a des petits bugs d'affichage. Ça, c'est nul. Hein. J'espère qu'ils vont corriger ces petits bugs. Où ça passe en dessous des pierres de chaque machin. C'est moche. Hein. C'est très, très moche. En tout cas, voilà, ça se passe bien. La population, elle a du mal à monter parce qu'on a toujours du chômage. Je suis bon prince, allez hop, je suis bon prince, te file un peu d'orge. On n'a même pas le temps de les vendre qu'il y en a déjà d'autres qui arrivent. Ce qui est certain, c'est qu'on a un tout petit peu de pierre, ou on a une bonne pierre propre de pierre. Je pense qu'on a de bière, on n'a pas besoin de faire plus. Le papyrus, il est fait, et la toile, j'en fais quoi de la toile? Je l'exporte au-delà de zéro, pour le plaisir, parce qu'on a peut-être besoin lié aux entrepôts qu'on a là. En faire deux ici, voilà, comme ça on va être un tout petit peu mieux en termes de chômage et peut-être faire reprovoquer un tout petit peu de venue de population. On va également faire ça, donc bien sûr n'hésitez pas à rejoindre le Discord où on échange beaucoup sur le jeu, hein, toujours plein de problématiques. On échange aussi sur les bugs qu'on a vu, qu'on a constaté, et bien sûr certains patterns. Si vous voulez échanger plus en détail, ben on reste tous preneurs, bien présents pour vous aider. Et n'oubliez pas bien sûr le petit abonnement sur la chaîne, c'est indispensable.
pour pouvoir m'inciter à continuer. Et j'espère que vous avez envie que je continue. Parce que moi, franchement, je prends mon pied absolument par en haut. Un gros kiff absolu, bien sûr. Et puis que là, on est plutôt peinard, on attend juste que la population monte, ben, on va accélérer le temps considérablement. Et comme on avait dit, hein, il y avait à peu près 10-12 ans nécessaires de faire passer pour que chaque bateau en fait vende les pierres, etc., etc. Toi, par exemple, tu es en train d'acheter et tu vas me vendre la pierre juste après. Sauf que pourquoi tu es aussi long? Ah, il y a masse d'orge qui est vendue à lui. Ok. Et on surveille la population, bien sûr. Ça réduit l'immigration, mais ça n'a pas l'air de la bloquer complètement. Ah si, ça la bloque quand même complètement. Quel magnifique toi, voyage. Tu m'as vendu 12 de pierre. Alors le 1200, c'est faux, hein, c'est le 12 de pierre. Nous et toi, vu que tu es à côté, tac, 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 le truc est parfait. Moi, j'adore cette gestion. J'adore cette gestion. Bon, j'ai fait certes des entrepôts, j'en ai peut-être fait un peu trop, mais c'était pas grave. Je vais pas dire que c'était nécessaire, mais un tout petit peu. Ouais, c'est pas trop trop nécessaire. Sauf qu'eux, ils passent. Ah oui, ils font des allées-venues un peu exagérées. Donc on doit pouvoir te faire ça pour te faciliter le transport. Ah oui, mais on avait fait une route ici en plus. Bah oui. Attendez. Toi. Ok. Ok. Et là. Et toi, t'es bien ici, d'accord. Et c'est qui cherche... Attends, c'est qui cherche un métier, là? J'ai un mec qui vient me chercher un métier ici, mais c'est qui? Ah, c'est toi! Hop là, voilà. Oui, ce sera mieux. Oui, ce sera mieux. Petite boulettasse. On a toujours masse de ressources, bien sûr. Je pense qu'on peut vendre... Tant qu'on est riche. Voilà, au-delà de 6000. Au-delà de 6000. Là, on va tout accepter. Je sais même pas qu'est-ce que j'ai accepté ici, en fait. On va accepter. Bon, c'était pour la pierre. La pierre, on va refuser. On va mettre ça. Et ça, ça sera utile pour la vente. Et vu que toi, tu pèses, tu prends ou tu t'achètes ou voilà, tu... Non, tu vends. T'achètes pas, dommage. Donc là, on a fait deuxième niveau. Il nous reste encore un petit paquet de blocs. Ouais. Ouais, 416 blocs. Hein. Franchement, 416 blocs. On sait qu'on en prend 40 par an. C'est ça, hein. Je refais les calculs. Kevin, on refait les calculs. On va vérifier si les calculs sont bons, Kevin. Là, lui, il me sert à rien. Lui, c'est de la pierre. Et... à bout, rien. Et lui, rien. Alors, malgré tout, donc on est bien à 40. 40 pour ça, on est donc à 10 ans, un peu plus de 10 ans. Donc, c'était bien 12 ans qu'on avait. Donc, les calculs sont bons, Kevin. Et tant mieux. À part ça, qu'il faut que je fasse des fêtes. Hein. Parce que je m'enflamme, mais ça n'aide pas. Et là, je me suis dit, eh ben, il faudra du granit à un moment donné. Et donc, s'il faut du granit, on a largement le temps, on n'est pas obligé de l'acheter maintenant. Voilà. Et on va acheter... ne pas commercer, oui. Et c'est quoi qu'il faut que je fasse? Tac, 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 je réfléchis. 4. Importer. Le granit, il est en haut le granit. On va importer jusqu'à 32. Bien évidemment, 32. Et même parce que on est large, on va mettre jusqu'à 100. Mais logiquement, il ne devrait pas me les faire celui-là. Ouais. Je pense qu'il n'arrivera pas à m'en vendre plus que 40. L'orge, je te livre. Vas-y, demande-moi plein d'orge. Il n'y a pas de problème. Les mecs, ils sont déjà en train de venir pour remplir les entrepôts. Zéro problème, il y en a encore qui attendent. C'est comme la paille. Il y en a plein qui attendent pour rien. Et c'est pas gênant. Regardez, 1, 2, 3, 4.
5. Donc on va faire que 5 hauteurs. Là on avait mis les planches, donc aucun problème ici. Bon là on a un petit bug. Ça part en sucette. Et comme ça on aura fait un nouveau, une nouvelle pyramide qui serait une pyramide penchée. Ben, ça sera pas mal. Ça, ça va être pris après. Ça, on n'arrive pas à trouver de population pour y aller. C'est pas gênant. Ici, tout va bien. Et en fait, voilà, si on avait toute la pierre qu'il fallait, parce que là, en termes d'économie, on est bien. La population... Oh, attendez, ça, c'est moins... Oh, ouais. Oh, 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 oh. Attendez, boulette. Grosse... Bah non, attends. Oh, grosse boulette. Oh, grosse boulettasse. Grosse boulettasse. Ah, il faut bien se mettre un peu de challenge dans la partie. Voilà. Donc, bien sûr, on va prendre tous les temples. Et la chose que j'ai pas vérifiée, c'est si on avait... un ensemble de temples possible. Bah ouais. On a l'ensemble de temples ici. Et on l'a pas fait. Mais qu'est-ce que je suis nul. Et attendez, l'ensemble de temples. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Et est-ce que c'est pas classe si je le mets là? Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui gêne. Un tout petit peu, ouais, ouais, il y a un tout petit peu de choses qui gênent. C'est pas grave. On va mettre ça là. On prend tout. Et on va faire les autres dieux, bien sûr. Osiris. Au rapport. Toi, ici. Et on est en quoi? On est 3, 4 machins. Donc, Ra. On va rajouter un pour Ra. Il y a un autre pour Osiris ici. Et au cas où, parce qu'il peut être toujours un peu shampooineur, toi ici. Voilà. Après, de toute façon, s'il faut de la place, je peux en mettre plein ici. Il ne va pas me casser, comme certains diraient, les roustoufouignettes. Voilà. Et si vous ne connaissez pas cette expression, sachez que pour moi, elle est chère, elle vient de mon padré. Mon papa. Voilà. Ça c'est un peu bloqué, tac 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 ici, j'avais bien fait de ici, oui, fête somptueuse, tout le monde est content, enfin, Osiris, on est bien, l'immigration reste toujours un petit peu bloquée, toujours pareil, hein, lié au fait qu'on n'a pas mis de métier partout, hein. Les salaires chutent, voilà. Les salaires chutes, c'est pas grave. Et il nous dit que on a zéro en couverture d'impôts. Comment ose-t-il me dire que j'ai rien en prévention? Ah oui, non. Voilà. Oh. Il suis-je de moi, le garçon, moi. Mais là, normalement, franchement, on a une gestion. Mais... Du feu de Dieu. On est très tôt, je trouve que cette partie-là était peut-être pas nocettrice de choses faciles. Mais une fois que la mécanique elle est réglée comme du papier à musique, ben en fait ça va tout de suite mieux. On va juste mettre quelques temples ici pour ajouter un peu. Comme ça, j'ai peut-être plus rien à faire. Voilà, le granit, on est en train de le commencer à récupérer, car ça sera nécessaire. Ptah, est-ce qu'on a vu ce que faisait? Dieu protecteur des artisans aide souvent ces derniers à finir leur travail plus vite. Avec un hôtel élevé en Amon, dieu du soleil, votre cité pourra construire plus de monuments. Avec l'oracle de Tho, comme dirait Homer. Dieu de la sagesse et du savoir, l'éducation de vos citoyens sera favorisée. Oh, attendez. Plus de monuments. Ben, moi, je m'en veux bien faire un deuxième. Laisse-moi faire un deuxième, mon ami. Faudrait qu'on fasse plus de monuments. Ah ben ouais. Ah ben ouais. Mais non. Parce qu'il me propose pas plus de monuments.
C'est bien dommage. Sinon, j'étais vraiment parti pour faire un truc comme un certain dirait splendide. Ça c'est pas mal. On a un petit peu mangé ici, mais une fois la pyramide finie, tout ça, ça s'enlève et on aura une belle pyramide bien imposante au milieu. Là, on a la population qui baisse. Toujours problème lié au chômage, mais le chômage est en train de descendre, donc la population elle va monter. 500 qui peuvent arriver. Et en fait, on voit qu'il nous manque quasiment rien comme maison. Et pour satisfaire ça, et on va faire un gros jardin. Voilà. Bon, là, il n'y a personne qui va venir jusqu'au chômage. 6% l'année suivante, on sera peut-être mieux. L'année suivante, le mois suivant, on va bien co peut-être commencer à accueillir du monde. N'y a toujours personne qui veut venir. Alors, vu qu'on a de l'argent et que l'argent monte vraiment bien, on va baisser l'imposition à 1%. Là, franchement, on leur donne tout. On veut vous faire venir et on vous promet du loisir. Une vraie vie de marchand s'offre à vous. Toi, tu achètes ça, pourquoi pas? On est bien en termes de. On est toujours à 6000, ok. Lui, il compte pas, je pense. La bière, bah, on livre sans se poser de questions. Même si on a quand même des entrepôts qui sont pas tout à fait gardi-gardi. On s'est dit que si on avait besoin d'un peu plus de nourriture, on pouvait prévoir ici. Pour l'instant, pas la peine, mais on peut le prévoir ici. La pierre galère toujours à monter, même si là, toi, t'as même l'air de m'en Quel avoir vendu magnifique beaucoup. voyage! 8? Ok, non, que 8. C'est que eux font pas les allers-retours qui vont bien. Ils ne font pas le travail qu'on leur demande de faire, bien sûr. Et ils trouvent personne au risque d'incendie. C'est que incendie qui dit. Alors même si je pense que ça va être temps d'axe qu'il fasse parce que il n'y arrive pas, on va faire ça comme ça. Voilà. Quatrième niveau qui se fait. Parfait. La population un petit peu remontée, pas beaucoup. Ouais, on a récupéré 100 de pop. Pff, on a tellement de. Tellement de sous-sous. Ça devient presque blasant, je pourrais vous dire, presque. Toi, maintenant, tu vas vider, toi. Comme ça, on a bien trois entrepôts pour la bière et potentiellement trois entrepôts pour l'orge. Même si vous allez me dire que celui-là et celui-là, ils servent à rien, je suis tout à fait d'accord. Ça fait un peu de plus. Voilà. Sauf que toi, tu vas me refuser quand même le calcaire. Tu n'as pas à avoir le calcaire ici. Il y a de quoi faire là. Faut-il encore qu'il trouve la population qui va bien pour travailler dedans. Mais normalement, je ne veux pas. Et regardez, hop, il y a du monde qui arrive. Ça, c'est bien. Ça, les gens. Ils respectent un peu plus la route. Ils passent peut-être pas par les plus beaux quartiers. Et encore, franchement, on peut pas faire de défense, mais je pourrais faire un truc qui soit un peu plus joli ici. Ça permettrait potentiellement de compenser le chômage avec. Comment est faite la route? C'est.
On est là pour cramer un peu de sous, hein. C'est réellement... Là, j'ai envie de mettre un jardin en 3 par 3. Là, franchement, s'ils se sentent pas chez eux, je veux bien, à un moment donné, hein. Là, ils peuvent se sentir que chez eux. Franchement. Ça ne serait-il pas magnifique comme ça? Les dieux sont toujours aussi agréables. Et toi, en fait, on va se déplacer. On va te déplacer pour te mettre ailleurs. La pierre, pas foufou, mais là, on fait le reste. C'est bien. 2-5 quelques blocs, c'est bien. Toi, on va te mettre ici. Et là, on va remettre un petit jardin. On va remettre toi là. Vous êtes surveillé, ou du moins vous êtes accueilli, plus exactement. Voilà. Parfait. Et on a atteint le niveau de population voulu. Ça, c'est excellent. Comme certains, comme Burns dirait, excellent. Je sais pas pourquoi, j'ai quelques références de Simpson pour vous. Comme on dit, je suis grand prince, c'est cadeau. Et pour finir... Alors, sauf que passer par... Parce que quartier là, c'est pas le plus beau. Sauf que je vois qu'on est un petit peu en manque de ressources. Ça, c'est peut-être pas le plus beau quartier. Il faut mieux qu'il passe par là. Toi, je vais te déplacer là. Donc, en fait, comment on va faire? Toi, je peux te virer. Je vais essayer de faire un zigouigoui. Je vais te faire ça. On va pouvoir mettre... Bah non, là, je peux pas mettre de grenier. Là, pas la place. N'est pas la place ici. Le grenier, il y en a un qui va venir là. Toi, on va te vider. Ça sera déjà ça de fait. Et le deuxième grenier... Ouais, vas-y, l'orge, pas de problème. J'ai l'impression que si je te fais ça... Ça passera pas. Et c'est là où ça passera. C'est qu'on va enlever ça. Avec. Alors attendez, quand on réfléchisse avant que ça fasse une boulette totale. Avec toi. Toi. Ok. On est très bien. Ici, les impôts, ils diminuent encore. Du moins, les salaires. Les salaires. Oh, je suis bête. Je me suis trompé. Les salaires, c'est au-dessus. C'est pas en dessous. Voilà. Quel fada. Ouais, là tu vas me trouver du monde. Tu vas me, toi tu vas me vider ça. Hop là, parfait. C'est un tout petit peu plus joli. Et toi tu vas pouvoir passer là. On va juste devoir enlever ces entrepôts là. Donc ici on va refuser pas mal de choses. Ici on a dit qu'on acceptait des ressources, mais pas celles qu'on souhaite. Alors déjà, je suis en train de voir qu'il faut que j'arrête de vendre.
arrêter de commercer. Parce qu'on commence à être un petit peu pauvre en ressources. Le monde était beau, le monde est moins beau d'un coup. Je vous le dis, le monde est tout de suite moins agréable. De comment qu'on gère. Je pense que là, vu les ressources... Ok, j'ai dit que toi, je te vendais. Ah, je suis un peu bourrin. Ah, mince. C'est pas grave, tu vas te mettre comme ça. On va laisser eux passer. Donc, on reprend ça. Et malgré tout, il va falloir tout de même les commodités de ça ici. On le cache un petit peu derrière. Mais ça sera pas mal. Et après, on pourra refaire une petite série de temples. Pour signaler qu'ils viennent vraiment pour vénérer les dieux. On peut dire qu'on est Lourdes. Qu'on est Israël, qu'on est la Mecque, qu'on est, voilà, les lieux sacrés du culte. Et j'ai oublié un truc important, c'est que les mecs, à moi, ils doivent pas aller plus loin, parce que toi qui pars... La ville me connaît. Beaucoup de gens me demandent du travail. T'es parti loin, mon garçon. Oh, il est parti loin, celui-là. Voilà. La nourriture. La nourriture est un gros problème. Car on n'a plus de nourriture. Donc on va faire la fête à Ptah, même si c'est Bastet qui aurait dû nous aider. On va faire la fête à Ptah en espérant que ça fasse ce qu'il faut. Tout le monde est là, 22% de chômage, toujours pas de nourriture. Est-ce que je baisserai pas mes entrepôts? Alors j'ai l'impression que j'ai trop de bière. Donc on va faire tac, tac, tac. La nourriture, je sens qu'on va se faire avoir. Hein. Voilà. Peut-être un peu tard pour le faire parce qu'ils vont pas nous rapporter grand-chose, mais je trouve ça toujours important, malgré tout, de l'anticiper. Et regardez, toi, t'es en train de diminuer, t'as plus de nourriture. Voilà. Bon, mais on arrive dans une galère. C'est la fin de game. C'est la fin de game, les amis, c'est la fin de game. On a tout perdu. On était sur une belle réussite et finalement, on n'aura pas réussi à résister plus longtemps que ça. Bon, certes, il met ça ici, c'est pas gênant. Toi, on pourrait dire de te remplir. Et toi, clairement, c'était la nourriture qui manquait. Vous allez remonter comme si de rien n'était, bien sûr. Donc maintenant, on a déjà vidé les entrepôts. 24 mois. Accusé réception. Ouais, on va pas faire ça maintenant. Ne vous inquiétez pas, on va pas faire ça maintenant. Et j'ai oublié de faire bien sûr la petite, les petits plaza qui s'imposent. Alors si là. Il nous faut toi ici, comme ça tout le monde vous accueille à bras ouverts, bien sûr. Comme ça tu me vois pas, tu me vois plus. Tac 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 tac, ils arrivent ici et ils sont accueillis. On va faire d'autres jardins ici, j'ai envie de faire d'autres jardins. Pour leur montrer que ici nous sommes dans une terre d'accueil où on respecte la nature. Voilà. Voilà, parfait.
et la pyramide à l'avance. Il faut plus que 80 blocs de pierre. Oh que c'est pas mal. Oh que c'est pas mal parce que là on en a 40. Sauf erreur, on en a 40. Tu me confirmes? 36. Mince, 36. Peut-être parce qu'il y a un mec qui est en train de venir aller chercher. Oh, il y en a même plus là. Ouh, non, non, on a du bloc de pierre. Là, on est bien. En fait, elle est pas trop copieuse cette. Ouais, on est à 80 plus ce qu'il y avait au-dessus. Globalement, ça reste plutôt bien. Faut pas que je rechigne, on est bien. On peut accueillir encore du monde. Oui, il s'installe. Ça va être juste, hein. Réellement, ça va être juste. La grosse difficulté, bien sûr, c'est que. Bon, on a beaucoup de bière, donc on a un peu de temps avant de faire le reste. Il faut faire une fête à Osiris parce qu'elle ne me remplit pas. Ou il ne me remplit pas complètement. Osiris, homme ou femme? J'ai un doute. Osiris, ça fait très féminin et je crois que c'est un dieu. C'est un dieu, pas une déesse. Si je me trompe pas. Oh, j'ai un doute. Isis, c'est féminin et c'est Osiris qui est masculin, si je me trompe pas. Ouais. Voilà, merci pour la crue qui va venir après. Celle-ci, elle est petite. 99%. 99% quand même. Ah, si, on tient quand même pas mal le rythme. De ce que je vois, potentiellement. Voilà, on pourra pas cumuler un virage et machin. Parce qu'en fait, je pourrais presque mettre un champ. Et ça, on accuse et on fera après. Même peut-être qu'on fera pas. Je pense qu'on le fera pas, vu comment on peut être en galère. Ouais, ça, la route, je peux la refaire. Il va pas me le faire passer par là. Ben, il va passer par l'extérieur. C'est pas ça qui va me poser problème, vous inquiétez pas. Voilà. Dis donc, il se prend pour qui le garçon? Dans ce cas-là, je peux t'enlever toi. Et on va te faire plutôt une rigole. Et est-ce que je peux bien placer? Voilà, j'en ai gagné un. Parce qu'ici, ça va être compliqué pour les caser maintenant. Parce que là, je peux pas. Là, je peux. En fait, je peux mettre un ici. Potentiellement un plus loin, mais j'ai un doute. Je doute beaucoup. Le doute occupe mon esprit. Est-ce que là, je peux le faire? Voilà, parce qu'on a 6000. C'est globalement bien. On remplit un entrepôt et deux greniers presque plein. Ouais, presque. Pas beaucoup. On a déjà le granit qui va être nécessaire, qui va venir. Et j'ai l'impression que j'ai un emplacement pour mettre la toile, moi. J'ai pas l'impression d'avoir un emplacement pour mettre la toile. Ah ben voilà, je voulais mettre ici. Toile. On va t'accepter la toile ici. C'est peut-être pas approprié. Tu as accepté la pierre. Tu refuses la pierre. Et tu me prends de la toile. Donc ici, on va pouvoir refuser la toile. Tout à fait. Nufru. Eh bien, Snufru, il va être content. Parce que je pense que tout y est. Pour finir complètement la pyramide. Franchement, on a quasiment tous les blocs. Non, il en manque encore. Il faut encore une petite année peut-être. Alors, en tout cas, on va faire une dernière propagation pour Ra. Qui va peut-être nous aider. Toi, tu nous prédis une crue qui va être exceptionnelle. Excellente. Très bien. Là, tu remplis, tu ramènes là. On serait presque pas mal. Voilà, en tout cas, on se laisse ici. Je recorde immédiatement le prochain épisode pour voir si on arrive bien à la fin. Et sur ce, je vous remercie beaucoup de suivre vraiment cette série. Je vous adore.
Et n'hésite pas bien sûr à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Rejoins le Discord toujours, très important. Sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à la prochaine. C'était Cyril. Ciao, bye bye.